La consultation publique de psychanalyse, la CPP, est un dispositif qui permet de recevoir toutes les personnes qu'ils souhaitent, et quelle que soit leur situation, pour qu'elles engagent une psychothérapie ou une psychanalyse. Ce dispositif est l'un des rares qui permet à toute personne en souffrance de rencontrer un clinicien en fonction de ses moyens financiers. Donc ce dispositif rend accessible à tous la psychothérapie et la psychanalyse, mais en plus, en demandant à la personne de régler quelque chose en fonction de ses moyens, elle l'invite à s'engager dans la cure, dans sa vie, dans la société. Ces consultations sont en fait gérées entièrement par les cliniciens du RPH et donc elles ne dépendent d'aucune subvention de l'État, ce qui en fait une véritable solution pour la santé mentale en France. En plus d'être un lieu de consultation, la CPP est aussi un lieu de formation et d'expérience clinique pour les jeunes cliniciens. À côté de leur bagage universitaire, souvent bien loin de l'arène clinique, ils y développent une pratique, des compétences cliniques précieuses pour vivre pleinement et rapidement de leur clinique. Le RPH a toujours soutenu mon désir de devenir clinicienne en me formant rigoureusement aux positions de psychothérapeute et de psychanalyste. Et en me confiant les clés de la CPP, ce qui a été aussi une vraie opportunité pour moi. En plus, ce lieu me permet de recevoir les malades rencontrés à l'hôpital pour poursuivre le travail engagé ensemble hors les murs de l'hôpital et donc à la CPP, ce qui est tout à fait pertinent d'un point de vue clinique et très intéressant en termes de traitement et de prévention de la santé en France.